Alors ? C'est la fille de l'hôtel, elle a appelé une ambulance. Ils étaient comment ? 80, 82 ans. Hein ? Qu'est-ce que tu as écrit là ? J'arrive pas à lire. BPGPTA. Et ça veut dire quoi ? Boîte préservative, grande taille, parfum, abricot. Je peux entrer ? C'est-à-dire que j'ai un léger contretemps. Ah. Une commande urgente à boucler, ça vient de me tomber dessus. Ah. Mais je me débarrasse du dossier. Jérôme, tu ne devineras jamais. C'est qui ? Je mange des plats de merde dans des restos de merde. Je dors dans des lits pourris pour aller dans un pays de merde. Parce qu'il faut bien le dire, l'Italie, c'est un pays de merde. Les vacances sont foutues, puis c'est tout. Eh ben fais-le avec précision. Tu veux que je sois précise ? Si tu en es capable. À 15h22, j'ai pris sur ma gauche la rue Paul Doumer, et après avoir marché 57 pas sur ma droite, je suis arrivée devant l'hôtel du commerce au 22 bis de la dite rue. Monsieur Broutin, 35 ans, régisseur général de tournée, yeux noisettes, cheveux blonds, légère cicatrice de 3 mm sous la joue gauche, m'y attendait. Nous y sommes restés 2h29. J'adore l'odeur de ta peau. Tu sens bon. Chanel. Et dis-moi, pourquoi tu libères pas tes cheveux plus souvent ? T'es superbe comme ça. Ça me rajeunit, c'est ça ? La femme se plaint que tu la délaisses. Si tu la baisais un peu mieux et un peu plus souvent, elle oublierait ses soupçons. Toi, ma maîtresse, t'es en train de demander de sauter ma femme, c'est ça ? Et alors, si c'est pour le bien de tous ? Non mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Je vois pas ce que ça a d'extraordinaire. Et en plus, excuse-moi, mais c'est pas très compliqué. C'est qui ce mec ? Je ne sais pas. Comment t'as, tu sais pas, il est dans ton lit, je te signe. Mais je vois bien. Et qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'en sais rien. Allez, laisse pas planter comme une gourdasse sur moi. Et en plus, il n'y a pas de lit dans le couloir. Il n'y a pas de lit, mais il y a du passage. Il y a quelqu'un qui va finir par tomber dessus. À 3h du matin. Oui, à 3h du matin, la preuve, tout à l'heure, il y avait moi. Et toi, si tu l'avais vu, tu l'aurais ramassé. Allez, pousse au lieu de causer. C'est trop dur. Ça me rappelle quand on a abandonné Camomille sur l'autoroute. Tout doucement, à 3 mm et hop, il est gomme. J'ai peur qu'elle finisse par se douter de quelque chose. Un lézard d'1m70 avec un escarpin à la main, c'est rare. Hein ? Pourquoi tu l'as tué ? Pourquoi tu l'as tué ? Là, arrête, c'est vraiment plus drôle. Oh non. La toile. La toile. Quoi ? Tes bras. Tes bras bougelés. Patrick, t'es sûr que tu vas bien ? Dis-moi que c'est pas vrai, pas déjà. Quoi ? Quelle horreur. Patrick ? Sors de ce corps ! Sors de ce corps ! Patrick, t'es sûr que tu vas bien ? Patrick ? Patrick ? Ne me touche pas ! Patrick ? Ne me touche pas ! Patrick ! Mais Patrick ! Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Les livres sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non.
vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.